Bonjour, me revoilà moi 18-12-1999 pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment télécharger le thème Royal XP, mais pas ce coup-ci pour mettre la barre des tâches en noir, mais pour la mettre en bleu. Donc c'est simple, il suffit d'ouvrir votre navigateur internet. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc, une fois ouvert, quand il sera ouvert, une fois votre navigateur ouvert, il suffira donc d'aller sur le site de Clubic. Donc je mettrai les liens dans la description. Hein, voilà. Donc hop. Voilà. Donc faut attendre ensuite que ça charge. Ça veut bien charger. Voilà. Une fois que vous êtes sur le site, une fois qu'il a chargé, une fois que vous êtes sur le site, ça donne ça. Je pense que vous connaissez déjà Clubic. Donc vous téléchargez sur télécharger. Si vous voulez avoir l'avis de la rédaction, c'est juste en dessous la note donnée, donc à 9 sur 10, ce qui est pas mal, hein. Donc vous cliquez sur télécharger. Tout à l'heure, il a marché. Voilà. Voilà, une fois cliqué dessus, la page de téléchargement s'ouvre. Pour information, ceci est un téléchargement gratuit et légal. Et il est certifié pour Windows, aucun problème. Windows XP, hein. Peut-être que ça marche pour Vista. Pour Vista, peut-être qu'il existe d'autres versions. Après, Windows 7, Windows 8, je suis désolé, mais... Je pense que je ne ferai jamais de tutoriel pour. Donc voilà. Après, il y a le téléchargement qui se met en route. Ah oui. Donc vous aurez aussi besoin d'un logiciel pour pouvoir ouvrir le fichier téléchargé. Voilà, donc on l'ouvre. Faut patienter le temps que ça se mette en route. Une fois le fichier ouvert, ça vous donne ça. Bon, après, ça dépend de votre logiciel. On le met directement sur le bureau. C'est plus simple pour retrouver. Voilà, normalement, il s'y met. Voilà, il est mis. Ensuite, vous le cliquez sur le fichier, hein. C'est comme d'habitude, hein, pour ouvrir un fichier. Double-clic. Alors là, vous allez avoir trois documents. Vous cliquez sur celui qui est au milieu qui s'appelle luna.mstlesS. Donc vous double-cliquez dessus. Pas dessus, désolé. Et voilà, donc vous avez la propriété d'affichage qui se met en route. Alors vous mettez en royal et non pas royal noir parce que je rappelle que nous c'est le bleu qu'on veut. Donc le royal. Donc une fois que c'est sur royal,
Vous faites. Vous faites appliquer. Voilà, c'est le temps que ça se fasse. Hein. Non, 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 non. Donc, une fois que ceci sera fait, vous aurez tout en bleu. En bleu, mais comme la noire, hein, pas le bleu classique de l'XP. Voilà. Et voilà, vous l'avez en bleu. Après, c'est le temps que ça charge, hein. Mais normalement, après, vous avez tout en bleu. Bon. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus! Ah oui, donc voilà ce que ça donne une fois que c'est chargé. Allez, ce coup-ci, normalement, c'est la bonne. À plus!